corps, âme et esprit, une introduction à la vie spirituelle. Si on veut passer de devenir des chrétiens charnels à devenir des chrétiens spirituels, si on veut passer d'être de, des bébés à devenir matures, mais on doit comprendre de quelle manière nous avons été créés, de comment qu'on est composé et de cette manière-là, on va être en mesure de savoir comment grandir. Maintenant, la Bible nous dit que nous sommes composés de trois parties. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible. Donc, la Bible ici va dire que tout votre être, et quand la Bible va parler de notre être ici, la Bible va parler de. <coughs> Excusez-moi. L'esprit, l'âme et le corps, ces trois composants-là font de nous qui nous sommes. Maintenant, il y a des gens qui disent, oui, mais l'esprit et l'âme, c'est la même chose. Pas vraiment. On a un autre verset qui nous donne un peu plus d'exactitude sur ceci, et c'est dans Hébreu, verset, Hébreu chapitre 4, verset 12. Je lis pour vous, car la parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu'une épée à quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Donc on voit là clairement que la Bible nous démontre qu'il y a une différence entre l'âme et l'esprit. Donc nous, comme êtres humains, nous sommes composés de trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Et si nous allons développer spirituellement, on doit savoir comment développer ces trois parties-là. Parce que c'est le développement de ces trois parties-là qui vont nous amener dans un état de maturité. Et on sait que c'est ça notre objectif. OK. La création de l'homme. Il faut qu'on comprenne comment que Dieu nous a créés. La Bible nous dit, au commencement, ça c'est Genèse 1,1. Premier verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux. Et la terre. Quand il parle ici, les cieux et la terre, la Bible ne veut pas dire que Dieu a créé le ciel, les nuages et la planète terre. On pourrait le dire de cette manière-là. Au commencement, Dieu a créé le monde spirituel et le monde naturel. Dieu a créé le monde de invisible et le monde visible. Dieu a créé le ciel et la terre. Dieu a créé deux dimensions. Maintenant, dans les deux dimensions que Dieu a créées, la Bible, elle est claire. Euh, Jésus va nous enseigner dans la prière du notre Père, il va dire, « Notre Père qui est dans les cieux. » En d'autres termes, dans les deux dimensions que Dieu a créées, l'aspect, la dimension du ciel, c'est dans cette dimension-là que Dieu habite. C'est pour ça que la Bible va dire, « Dieu est esprit. » Dieu est esprit parce qu'il vit dans le monde spirituel. Il est dans le ciel. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. En d'autres termes, au ciel, la volonté de Dieu s'accomplit constamment, mais sur la terre, c'est autre chose. Quand Dieu a créé la terre, puisque Dieu a dit Moi, je vais rester dans le ciel, il a créé la terre. Dieu a créé un homme. La raison pourquoi Dieu a créé un homme, la Bible nous le dit. La Bible dit dans Genèse 1, 27, il dit Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine sur la terre. Donc, comment que Dieu va créer l'homme Il va prendre de la terre, il va les prendre, il va modeler l'homme, il va souffler dans cette terre-là. Et, et, et la Bible dit que le souffle de Dieu amène l'homme à être une âme vivante. On sait que nous venons de la terre, pas simplement de la Bible. La biologie même nous enseigne ça. Quand on meurt, tout notre corps décompose et redevient de la terre. Tout ce qui fait moi, tout ce qui te crée, tout ce qui est de notre corps viennent de la terre. C'est pour ça quand on meurt, on redevient de la terre. Parce que Dieu nous a formés de la terre, de les minéraux de la terre. That's what made us. C'est ça qui nous a créés. Et quand Dieu a soufflé dans l'homme, ça, c'était l'esprit de Dieu. Et quand Dieu a soufflé l'esprit de Dieu, l'homme est, de... est devenu une âme vivante. Nous sommes différents au reste de la création. Parce que le reste de la création, ils ont un corps et ils ont une âme. Mais l'être humain, c'est le seul qui a un corps une âme et un esprit. Et on va développer sur l'esprit et l'âme dans quelques instants. Mais dans ce segment-là, je veux toucher sur l'aspect du corps. Quand Dieu nous a créés, notre corps, au commencement que Dieu nous a créé, notre corps était l'esclave de notre esprit. En d'autres termes, le corps était qu'un outil. C'était un outil entre les mains d'Adam. C'est-à-dire, Adam, lui, il était en communion avec Dieu par son esprit. Communion dans quel sens? Puisque Adam avait un esprit et Dieu lui était esprit, c'est comme si Adam y avait le Wi-Fi, y avait le wi et qu'il les gardait connectés au ciel constamment. Le corps d'Adam était simplement un instrument entre ses mains pour faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que si Dieu lui disait va prendre soin de ceci ou va faire cela, mais le corps d'Adam le, bou le bougeait pour l'amener et faire qu'est-ce qu'il voulait faire. Le problème. C'est que quand Adam a péché, quand Adam a péché, l'esprit de Dieu s'est enlevé d'Adam. Et l'esprit d'Adam, lui, il s'est shut down, il s'est fermé. Et quand son esprit s'est fermé, automatiquement, son corps et son âme est devenu prédisposé au péché. Ça veut dire quoi que son corps est devenu prédisposé à, à, au péché? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la majorité d'entre nous, on vit avec plein d'impulsions dans nos corps. Nos corps nous amènent à faire plein de choses mauvaises. Et c'est pour ça qu'une des premières choses que nous devons faire comme croyants, si on veut grandir spirituellement, c'est que nous devons absolument s'imposer à soi-même certaines disciplines. Je vous donne un exemple. Si vous prenez le temps de lire euh, les habitudes de gens qui sont riches, vous allez voir que la majorité des gens riches vont dire qu'ils ont l'habitude de se réveiller tôt le matin. Et ils écrivent ça. Et, et quand ils se réveillent tôt le matin, ils se réveillent pas tôt le matin parce qu'ils ont le goût de se réveiller tôt le matin. Ils se réveillent tôt le matin parce qu'ils se sont disciplinés à se réveiller tôt chaque matin. Et eux, ils font ça pourquoi? Ils font ça pour avoir le succès. Ils font ça parce qu'ils ont des choses à accomplir au travail. Ils ont des disciplines sur leur heure de nourriture. Si tu regardes un athlète, un athlète qui réussit, c'est un athlète qui est très discipliné. Il va manger dans des certaines horaires. Il va pratiquer. Il va faire certaines choses. Écoute, il n'y a personne dans la vie qui réussit, qui n'est pas discipliné. Écoute, qu'est-ce qu'on appelait les gens qui suivaient Jésus. On les appelait des disciples. Disciple vient, il vient carrément du mot discipliner. En d'autres termes, si tu es devenu croyant aujourd'hui et tu penses que tu vas devenir mature sans t'imposer à toi-même certaines disciplines, mais oublie ça, ça va jamais arriver. Depuis que le péché est entré dans le monde, l'être humain est devenu paresseux l'être humain va mentir l'être humain fait plein de choses tu penses tu que le corps que Dieu nous a créé il nous a créé ce corps là pour mentir pour pour, pour, euh, pour violer pour battre des gens pour euh, pour faire la violence pour faire plein de choses mauvaises non notre corps est supposé d'être un outil pour le bien mais la seule manière que tu peux amener ton corps à être, à être un outil pour le bien c'est si tu l'amènes une certaine dimension de discipline Regarde qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui parle ici. Il va dire, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. S'il si dit que je traite durement mon corps, maintenant écoute, je, je veux être clair là, je ne parle pas ici de se flageller soi-même ou de te de, punir. De, il y a des religions où est-ce que les gens ils se battent, ils se tapent eux-mêmes. Je ne parle pas de faire des stupidités au nom de la foi, du tout. Mais c'est sûr et certain que comme croyant, si on veut devenir spirituel, on doit se mettre des disciplines. Si aujourd'hui, tu es chez toi. Ta, ta, ta chambre, elle est toute désordonnée. Ton lit est pas fait. Tes vêtements sont pas lavés. Tu, tu, quand tu manges, tu laisses tes assiettes, tu ne les nettoies même pas. Tu es désorganisé dans ton travail. Tu arrives en retard. Tu te réveilles quand tu veux. Tu te couches quand tu veux. Oublie ça de devenir quelqu'un de spirituel. Pour devenir quelqu'un de spirituel, on a besoin de discipline. Et Dieu, c'est impossible que quelque Dieu va rentrer dans la vie de quelqu'un. Et il ne va pas amener une certaine dimension des de disciplines dans sa vie. Moi-même, quand j'ai reçu le Seigneur, j'étais un ex-drogué. Donc, je fumais peut-être 25 joints par jour. Je me couchais tard, des fois, je ne prenais pas ma douche. Je, je vivais une vie à l'envers. Je n'avais jamais été en mesure de garder une job. Mais en dedans de trois mois que j'avais reçu le Seigneur, toute ma vie a commencé à basculer. Une des premières choses qui est arrivée, c'est que je me suis trouvé un emploi. Dans le premier emploi que j'allais, on m'a mis dehors. Tu sais pourquoi on m'a mis dehors Parce que j'arrivais pas à me discipliner, parce que je vivais à l'envers. Mais avec le temps, j'ai commencé à discipliner mon horaire. J'ai commencé à discipliner ma manière de fonctionner. Et le plus que je me suis discipliné, le plus que ma vie spirituelle commençait à décoller. Tu sais, j'ai connu des chrétiens que avant qu'ils deviennent chrétiens, ils étaient des hommes disciplinés. Et à cause qu'ils étaient disciplinés, la minute qu'ils sont devenus chrétiens, ils ont maturé rapidement. Pense pas être en mesure de devenir mature spirituellement et es pas en mesure de mettre certaines disciplines sur ta vie. On doit se discipliner. Une des premières choses, tu dois, pendant même que je suis en train de parler, regarde ta vie. Qu'est-ce que tu peux faire pour mettre plus de discipline? Ton corps doit savoir que tu prends les reins. C'est pas vrai que tu vas me dire quoi faire n'importe quand. C'est pas vrai que tu vas me faire vivre dans la paresse. C'est pas vrai. Je vais démontrer à mon corps que je suis en train de l'imposer une nouvelle discipline. Écoute, si des hommes d'affaires peuvent faire ça pour faire de l'argent, à combien plus forte raison devrions-nous se mettre certaines disciplines dans notre vie? aspirer à devenir des vrais disciples de Jésus. Je vous assure que Jésus a donné une vie de discipline à ses disciples. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour amener une certaine discipline? Écoute, je ne dis pas que tu dois changer tout, mais pendant que je te parlais, je suis sûr qu'il y a certaines petites choses que l'Esprit de Dieu t'a déjà parlé. mets dit, mais sans règle, nettoie ça. Mais sa propre. C'est du minimum. Quelqu'un va dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec une vie spirituelle? Je te dis, c'est pas vrai que si tu rentres dans ta chambre pour prier et ta chambre, elle est à l'envers, que Dieu va mettre de l'ordre dans ta vie. Commence par mettre ta chambre à l'endroit. Il y a des disciplines que nous devons nous imposer nous-mêmes. On doit. On doit Dire à notre corps, tu es plus en charge. Tu es plus en charge. Tu sais, j'étais tellement dépendant à la drogue quand j'ai reçu le Seigneur. Tellement dépendant. Mais une des premières choses que Dieu m'a donné la force et la puissance de faire, c'est qu'il a brisé le lien que mon corps avait avec la drogue. Et dans quelques instants, j'ai pu laisser la drogue. Quelques semaines après, j'ai laissé la cigarette. Non, c'était quelques mois après. Je pense après trois mois, j'ai laissé même la cigarette. Il y a plein d'autres choses que Dieu m'a amené à être libéré d'eux. On doit se dire aujourd'hui, si je vais commencer à rentrer dans la vie spirituelle, je vais m'imposer certaines dimensions de discipline. Dans le prochain segment, je vais parler sur l'âme et comment développer l'âme. Mais avant de clôturer ce segment-là, Dieu t'a parlé. Écris ce qu'il t'a dit. S'il si t'a dit de faire une action, pose cette action-là. Je te promets que si Dieu voit que tu commences à mettre une discipline dans ta vie, il va te parler. Écoute, si moi j'aurais un enfant et j'en ai quatre, mais si j'en aurais un qui serait indiscipliné et qui vit une vie à l'envers, qui n'a pas gradué son secondaire, qui refuse d'aller travailler, même si je suis un multimillionnaire, je ne vais pas lui donner mon argent. Je ne vais pas lui remettre entre ses mains les choses. Parce qu'il n'est pas discipliné. Il va les gaspiller. Mais cette même enfant-là... S'il commence à se discipliner et je vois qu'il commence à arranger sa vie, moi comme père, je vais lui ouvrir toutes les portes. Ne pense pas que Dieu va se révéler à toi, va déposer son mandat sur ta vie, si tu pas prêt à au moins commencer à mettre certaines disciplines. Et je vous le dis d'avance, le plus qu'on va avancer en Christ et le plus qu'on va devenir mature, le plus... Nous deviendrons des gens disciplinés. Le monde va reconnaître que nous sommes ses disciples par la discipline que nous avons. Dans le prochain segment, on va toucher sur l'âme. À bientôt.